Salut Camar. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va. La grande forme? Oui. On est lundi. Le lundi, tout est permis. Eh ben, ça tombe bien, on va vous écouter pour ce faux journal présenté aujourd'hui exceptionnellement par Camarou le Fou. Exactement. Écrit, et c'est parti, on vous écoute. L'actualité. Allez, on va aller aux Comores. Les Comores qui pètent les plombs, comme l'intitule France Mayotte Matin. Ouais. Bien, c'est vrai, ils pètent les plombs car le ministre malgache aurait dit « Oui, on est venu à Mayotte et à Mayotte, c'est la France ». Donc, ça fait chier l'autre à côté. Donc, en tout cas, moi, je m'adresse à tous ceux qui veulent se rendre aux Comores bientôt. Surtout, quand vous arrivez à la PAF comorienne, ne dites jamais si on vous demande, bien sûr, vous venez d'où? Bien sûr, de Mayotte. Mais alors, Mayotte est... Attention, ne pas dire Mayotte est française, hein, parce que c'est clair que vous allez passer une sale quart d'heure à l'aéroport. Il faut dire Mayotte est comorienne. Comme ça, on vous dira, bien sûr, votre carreau s'est avancé, messieurs, s'il vous plaît. Oui. Et on ne vous demandera pas votre passeport, alors? Exactement. Ah, il faut bien, juste ça. Dire que ben, ouais, Mayotte est comorienne, ouais, donc ça fera plaisir. Sauf que Mayotte est bel et bien française. Non, non, mais attends, pour le gouvernement comorien, c'est juste une question de le savoir. En tout cas, même si dans les papiers ou je ne sais pas quoi, Mayotte est française, pour eux, c'est juste le fait de le dire. Ouais. Donc c'est comme dire à Poudlard dans Harry Potter ou dire Dumbledore. Non, on le dira pas. On le dira pas. Allez, Aigle Noir à base alpha, on continue. D'accord. Allez, notre sénateur Tani, oui, il a dit oui au mariage pour tous. Oui. Ouais, mais en tout cas, il a dit oui, mais on sait pas à qui. Exactement. Donc on est en train de le chercher. Voilà. Oh, donc, à qui il a dit oui? Au mariage pour tous. Oui, mais c'est mignon tout ça. Ouais. Mais en attendant, c'est vrai que. On se dit, allez, moi aussi pareil, hein, j'aurais préféré avoir deux papas que deux mamans, pourquoi? Par exemple. Ah ben, parce que c'est clair que les allers-retours dans les toilettes, personne n'aura honte de personne. Hein. Ah ben, c'est la même chose. Hein. Le matin, tout le monde sera avec son estrédon. Alors, ça ne sera pas pareil. Ça ressemblera à peu près à une colocation. Voilà. Ça va pas, vous êtes un grand malade, Camar. Je sais pas ce qu'on va faire de vous, Camar. Ah non, mais c'est vrai, s'il vous plaît. J'aurais préféré, franchement, voir. Vous imaginez, moi, j'ai un papa, Patrick Mion et Samuel Beauchère. Sur la portée, j'en garde pas, moi. Vous en pourriez miracler. Hein. Papa, c'est qui maman, en fait? Allez, enchaînez, au dire des conneries. C'est Patrick. Ouais, je m'en doutais un peu, ouais. La mairie de Mamoudzou sera dans les rues ce matin. Ouais. Un appel au secours. Oui, c'est que maintenant qu'ils se sont rendus compte que finalement les caniveaux sont débordés, que les écoles sont insalubres. Oh putain, mais. Et en plus, Taroussi, il a le culot de nous dire ce matin oh, vaut mieux plus tard que jamais. Franchement. C'est pas une blague de la mairie, ça. Mais bon, vaut mieux plus tard que jamais, bien sûr, vous avez raison, la mairie. Allez-y. Parce que c'est vrai que quand on regarde nos écoles aujourd'hui, 90% ou 80%, en tout cas, sont aux normes, selon vous. Mais finalement, vaut mieux plus tard que jamais. Ouais. Allez, bonne nouvelle. À Sada, ils ont leur comité local, ça y est, de sécurité. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais Sada, il n'y a pas de délinquance, dis donc. Il n'y a jamais eu de délinquance. On n'a jamais parlé dans les faits divers de Sada. Je comprends pas. C'est comme si on vient me dire ce matin, en Suisse, il y a des délinquants. Là-bas, c'est même limite, même cracher, c'est interdit. Ouais. Donc, je comprends pas. À Sada, il y a des délinquants politiques. Non. Mais pas des délinquants, agression, viol, vol, tout ça. Non, ça n'existe pas, ça, là-bas. On va avoir des problèmes. Allez, on conclut, Camar. Un psychologue a été tabassé. Pour finir, la semaine dernière, un psychologue a été tabassé. Mais moi, je comprends pas. C'est vrai que c'est pas drôle. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que d'habitude, c'est un psychologue qui devrait suivre, bien sûr, en course-poursuite l'agresseur. C'est pas l'agresseur qui devrait le suivre. Parce que d'habitude, on dit oui, je vois un psychologue, je me fais suivre. Ah oui, d'accord. Donc, mais je comprends pas pourquoi c'est l'agresseur qui courait après son psy. On va dire que c'est lundi. Hein. Ouais, c'est lundi, parce mais là, c'est sûr, ça changera rien. Ouais. On est dans la merde! Et je suis le président du CG et je fais ce qui me plaît. Ma maman m'a dit de bien profiter et bien sûr j'irai faire un petit tour à nos cibés. Ouais.